monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 15 février. Il est maintenant 15h30 à peu près. Donc on se retrouve donc pour une vidéo unboxing. Donc je vais en avoir deux à vous présenter parce que je pensais qu'il y en avait un qui allait arriver plus tard que l'autre et en fait ils sont arrivés en même temps. Donc c'est un unboxing AliExpress. Donc je n'ai que deux choses à vous montrer. Donc c'est parti. Hop. Donc voici le paquet. Donc assez volumineux, mais il n'y a que deux choses. Voilà. Alors, nous allons commencer par quelque chose de nouveau. J'ai découvert sur la chaîne d'Amandine, donc je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Donc Amandine, cette vidéo t'est dédiée parce que tu as su me dire qu'à cause de moi je te poussais à faire des achats. Et bien figure-toi que toi aussi, voilà, à cause de toi je fais des achats. Voilà, je t'attendais au tournant. Donc voilà ma petite Amandine, si tu passes par là ma belle, je te fais de gros gros bisous quand même. Donc vous avez découvert ce petit puzzle sur la chaîne d'Amandine. Donc c'était une commande aussi qu'elle avait fait sur AliExpress il me semble. Elle disait dans sa vidéo que c'était des petits puzzles qui existaient depuis un moment, mais moi j'en avais jamais entendu parler non plus. Donc, ce sont des wooden puzzles. Donc, ce sont des puzzles en bois. Et donc, j'ai pris le format A3, hein, soyons fous. J'ai pris ce modèle-ci. Sachez qu'il y a énormément de modèles. Il y a des portraits, il y a des lions, il y a des hiboux, il y a des chats. Vous avez des mandalas aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de modèles. Selon la grandeur, le prix change. Donc, ne vous faites pas avoir quand vous allez voir si cela vous dit au moins d'aller jeter un coup d'œil sur AliExpress. Le prix le plus petit, c'est le prix du puzzle le plus petit. Celui que vous voyez quand vous avez la photo avec un prix, c'est pour la taille la plus petite. Voilà. Donc, celui-ci, le papillon, il est, donc je l'ai pris en A3. Donc c'est la taille la plus grande, la A5 étant la plus petite, je crois qu'il était aux alentours de 3 euros et des bananes, et en A3, il était aux alentours de 7 euros. Voilà. Je suis allée voir aussi sur Shein pour faire un comparatif des prix. Et sur Shein, ils sont vendus plus cher que sur AliExpress. Voilà. Donc il y a tout plein de modèles et la particularité de ces petits puzzles, déjà ils sont très très bien présentés, le packaging vraiment au top. Faut déjà que j'arrive à ouvrir. Allez. Vous avez des formes d'animaux en fait. Voilà. Ça se présente comme ça, donc il y a beaucoup de pièces, hein. C'est un A3, donc j'ai pas pris le modèle le plus petit. Donc vous avez vos petits morceaux de puzzle qui sont dans un petit sachet en organza comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière. J'aime bien. Et donc, je vous disais, vous retrouvez des formes d'animaux, en fait. Alors, est-ce que je vais vous en trouver? Je ne sais pas. On va l'ouvrir et on va essayer de regarder un petit peu. Donc je sais que dans ceux d'Amandine, elle avait des petits lapins, des tortues, un petit chien, des nounours, elle avait plein de. Ben moi j'ai des petites fleurs, vous voyez. J'ai des petites fleurs. Ah, j'ai donc la forme d'un papillon. Voilà, j'ai un petit papillon. Donc il y a vraiment beaucoup de. Faut tomber dessus, hein. Il y a beaucoup de formes différentes. Donc vous voyez, ici j'ai une autre forme de papillon. Voilà. Et donc ça va former le puzzle. Donc Amandine a essayé en vidéo
de nous en faire un petit bout, mais elle disait que c'était quand même chou patate à faire. Et si vous avez un autre papillon? Donc moi, je pense que mes motifs à moi sont des papillons. Hein. Ouais. Je pense que je ne vais avoir que des papillons. Voilà, j'en ai retrouvé un et c'est encore un papillon. Voilà. Écoutez, on fera ça incessamment sous peu quand je sais pas. Sachez que moi, je ne suis pas une pro du puzzle comparée à Amandine qui, elle, en faisait. Fut un temps, moi, c'est quelque chose qui me tapait sur le système, hein, perso. Mais je sais pas, cela, bah, elle m'a donné envie, Amandine. Elle m'a donné envie, je trouvais ça très original. Donc, et ben voilà, les jours de pluie où je ne vais pas avoir envie de faire de DP, ni de point de croix, ni de peinture par numéro, ni voilà, et ben je m'essaierai à faire ce puzzle. Voilà. Donc, à l'intérieur, vous avez le dessin, voilà, avec la référence ici. Donc, voilà. Mon puzzle, ce sera ça. Donc, quand je vais le commencer, je vais essayer de me repérer au moins par rapport aux bords qui sont tous jaune-orangés. Voilà, je me repérerai à ça. Sachant que le motif du bas, il y a deux lignes et en haut, il n'y en a qu'une. Donc, je vais me repérer à ça et on verra bien. Voilà, voilà pour ce premier petit achat. Premier achat, pardon, sur AliExpress. Voilà, vous avez tout plein de modèles, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez des difficultés de level, hein, vous avez vu. Donc, moi, c'est 5A. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À mon avis, ça doit être bien costaud aussi. On va bien rigoler, tiens. Allez, oh, pardon, je vous ai bougé. Et le deuxième achat que j'ai fait, donc, sur AliExpress, c'est ceci. Voilà, c'est donc un plateau box, voilà, pour les diamants ou pour les perles ou voilà, les petites choses. Il y en a beaucoup aussi qui font de la des objets en résine et dedans, et des fois, ils mettent des paillettes, des machins, des trucs. Donc voilà, c'est pour pouvoir stocker tout ça. Et cette mallette-là, ça faisait très, 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 très longtemps que j'en voulais une. Et en ce moment, sur AliExpress, elles sont en promo. Donc, je ne sais pas si elles y sont encore. Au moment de ma commande, elles y étaient. Donc, au lieu de la payer entre 30 et 40 euros, je crois, je l'ai eu à 16 euros et des bananes, presque 17 euros. Voilà. Donc, il faut en profiter. C'est le moment. Donc, on va déballer. On va regarder ça ensemble. Donc, la boîte est arrivée un petit peu cabossée, mais vraiment pas grand-chose. Je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé quand même à l'intérieur si j'avais tout. Et si rien n'était cassé, elle est arrivée nickel, ma petite mallette. Donc, elle est arrivée en papier bulle. Donc, le papier bulle, je le garde, on ne sait jamais, ça peut servir. Ensuite, je vais vous hausser un peu. Je sais pas, voilà, de façon à ce que vous la voyez bien entière. Donc, vous avez deux encoches sur les côtés pour fermer le dessus du plateau. Hop là. Ça, c'est le couvercle donc, qu'ils ont mis dans un papier. Voilà, donc le couvercle. Voilà, on le remet là-dessus. Et hop, on ferme. Comme ça, vos diamants sont sécurisés. Rien ne peut se barrer. Je trouve ça vraiment très très bien. Enfin, moi je kiffe hein, ces petits bacs là comme ça. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie. Donc voilà, on enlève le couvercle. Et là vous avez plusieurs sortes de boîtes. Donc, est-ce que j'ai un petit papier à l'intérieur? Eh bien même pas. Même pas, même pas. Est-ce que je vais avoir le nombre de boîtes Donc, bah écoutez, alors, nous avons des petits modèles comme ceci. Voilà.
Et ça s'ouvre. Ben, je ne sais pas. Ah oui, c'est sur les côtés. Voilà, ça s'ouvre sur le côté. Eh ben non, ça ne s'ouvre pas sur le côté. Ah si, ça s'ouvre sur le côté. Voilà. Et vous mettez vos petits diamants à l'intérieur. Donc, vous avez une, deux, trois, quatre sortes de tailles. Donc, les toutes petites, c'est celles que j'ai en surnombre. Le plus, c'est celle-ci. Donc, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 12, 13. 13 fois 2, ça me fait 26. 26. J'ai 26 petites, tout petits contenants comme ceux que je viens de vous faire voir. Ensuite, j'ai une taille moyenne. Voilà, qui se présente comme ça. Donc, on va faire le comparatif. Voilà. Donc, ça, c'est pour les sachets un peu plus gros. Hop. Voilà. Donc, pour le vernis, c'est pas top, hein. Hop. Et ces boîtes-là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'en ai 16. Donc, 26 comme ça, 16 comme celle que je viens de vous montrer. Ensuite, nous avons une taille au-dessus. Et celle-ci, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc, comparatif, hein, encore par rapport à la taille du dessous. Voilà. Donc, ça, vraiment, pour les plus gros sachets, c'est nickel. Au moins, vous pouvez tout mettre à l'intérieur. Et vous n'avez pas besoin de laisser traîner des sachets qui attendent d'être utilisés. Au moins, vous mettez tout. Voilà. Donc, c'est pour les super grandes toiles, ça. À la rigueur, pourquoi pas mettre deux toiles de DP à l'intérieur. Vous avez largement ce qu'il faut, hein. Je vous dis 26, 16, ici 5, comme celle-ci. Hop, vous voyez. Et donc, la plus grosse des tailles, et j'en ai 3. Donc, ça, c'est pour les super gros sachets. Vous savez, souvent, ils vous mettent des gros, gros sachets quand on a une couleur dominante sur un DP. Bah, écoutez, dedans, tout va nickel. Voilà. Et des grandes, comme ça, j'en ai 3. Alors, il faudrait déjà que j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, hop. Vous voyez? Et voilà. Moi, je rentre mon doigt à l'intérieur. Voilà. Et donc, comparatif avec la taille juste en dessous. Voilà. Voilà. Et le tout dans un bac. Voilà, c'est rangé dans un bac. Donc, c'est nickel. Voilà. Mais écoutez, pour moi, cet unboxing est terminé. Je vais aller ranger tous mes petits achats. Donc, vous retrouverez cette mallette hein, certainement lorsque je débuterai une nouvelle toile. Comme ça, je préparerai mes diamants avec vous. Voilà. Et puis, le petit puzzle, hein, vous avez plusieurs modèles, vous avez plusieurs choix. Donc, et de taille et de motifs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Les prix sont beaucoup plus abordables sur AliExpress que sur Shein. Vous voyez, j'aurais plus pensé le contraire. Et non, en fait, sur Shein, ils sont plus chers. Voilà. Donc, celui-ci sur Shein était pratiquement à 9 euros. Donc, entre 2 et 3 euros de plus. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, je vais vous faire à tous et à toutes de gros, gros bisous. Je vous posterai donc cette vidéo aujourd'hui, puisque j'ai un autre unboxing à vous tourner aussi, parce que du coup, j'ai tout reçu en même temps. L'autre unboxing sera plus long parce que j'ai 8 articles à vous montrer. Voilà. Écoutez, bon après-midi à tous. Et puis, je vous fais de gros, gros bisous. Merci aux nouveaux abonnés de vous être abonnés hein, sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. J'espère que mes vidéos continueront de vous plaire. Et puis, écoutez.
Moi, je vous laisse commenter, mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, voilà. Allez à tous, de gros, gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo.